La spéculation du prix du manioc roux ou manioc brut sur le marché est très remarquée dans les grands parkings d'approvisionnement de la ville. Au fond de Tété, par exemple, le pot de manioc roux vendu auparavant à 800 francs CFA en saison sèche est acheté aujourd'hui à 1200 francs, voire 1300 francs CFA. Cette spéculation est expliquée par ce vendeur. Il y a le péage de policiers. C'est tout ça qui fait que l'augmentation arrive sur le terrain. Si on diminue de péage, on enlève même des taxes en cours de route. Sinon que souvent on vend ça à 22 000, 23 000. Si on peut réduire des taxes là, le prix là va réduire aussi. Cette matière première nécessaire dans la fabrication des bâtons de manioc provient de Mayeye dans la Lekoumou ou de Mouyonzi dans la Bouenza. Le prix du sac est passé de 25 000 francs à 33 000 francs CFA ce jour. Aujourd'hui là, ça se vend maintenant à 30 000 jusqu'à 34 000. Donc il y a des mamans même qui pleurent par rapport à l'augmentation de manioc. Et maman est en train de pleurer là, voilà, c'est cher. C'est tout à fait normal. Donc ça nous fait mal. Certes, la production dans les villages est abondante, nous ont-ils signifié. Mais l'évacuation des produits vers les centres de consommation est rendue difficile par la défectuosité des pistes rurales, surtout pendant cette période des pluies.